Épidémie du virus Ebola maintenant. Le Royaume-Uni a débuté des essais de sécurité sur un vaccin expérimental contre la fièvre hémorragique. Une femme de 48 ans en bonne santé a reçu la première injection qui a été administrée à l'université Oxford. Plus tard, l'ancienne infirmière a confirmé qu'elle se sentait bien. Quelques 60 personnes participent aux essais. Les scientifiques espèrent obtenir les résultats d'ici à la fin de l'année. Le virus Ebola a tué presque 2500 personnes en Afrique de l'Ouest jusqu'à présent. Il s'agit de la plus importante éclosion du virus jamais observée.